Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo de Freddy Mixtatou dans laquelle je vais vous expliquer comment protéger vos guns, comment protéger vos machines, comment ne pas souiller du matériel qui mérite une attention particulière et de l'hygiène. Donc votre protège clipcord, vous en achetez tous, vous achetez des protèges clipcord, ça marche avec n'importe quoi. Vous mettez votre câble là-dedans, vous prenez votre petit Magic Grip, vous le mettez, vous laissez sortir quand même la tête, hein. Le but du jeu c'est quand même de pouvoir le mettre, l'enlever et le remettre. Vous faites juste un petit tour de Magic Grip, en même temps je vous montre la magie de ce petit truc sympa. Vous avez votre Magic Grip qui vient entourer et votre câble est complètement protégé. Et ça vous le faites à chaque client, vous ne gardez pas cette pellicule autour, vous la jetez, vous la remettez. Vous avez vu, c'est fait en quelques secondes. Vous repassez un nouveau protège clip cord, vous le mettez autour et vous protégez avec du Magic Grip. Ensuite, vous prenez votre machine qui a été désinfectée, donc vous enlevez tout, vous mettez du Power Bomb comme je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Et après, vous venez avec votre Magic Grip et là, c'est parti. Si vous avez envie d'être plus gros, si vous aimez avoir quelque chose de plus conséquent dans les mains, vous pouvez rajouter des surmonchants, vous pouvez rajouter des choses dessus. Tac, et là, vous faites le tour de votre petite bécane, vous la protégez jusqu'en haut pour pouvoir ne pas mettre les mains dessus. Voilà, vous faites le tour. Vous évitez de toucher la partie qui tourne, sinon votre machine, elle ne va plus tourner. Voilà, vous la protégez complètement, ok. Et après, vous faites une deuxième partie sur la bécane où vous protégez le dessus, jusqu'à la fiche, d'accord. Faites tout le tour, là, vous voyez, je suis en train de faire tout le tour de fixe de Magic Grip. Je ne sais pas pourquoi je dis fixe à chaque fois. Et voilà, je protège ma bécane. Et c'est parti. Et je déconnecte, j'arrache le Magic Grip et là, j'ai une bécane super protégée. Donc avec celle-là, on y va, on tatoue. Et pareil, à chaque tatouage, vous changez tout ça, vous jetez tout ça à la poubelle et un petit coup de power bomb en même temps derrière en dessous. Même si c'est pas souillé, ça mérite quand même une attention et un petit coup de spray, c'est sympa. Et pour le pen, là c'est magique, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous faites le tour et par contre, vous évitez une chose, vous faites une deuxième partie à l'endroit où ça tourne. Vous voyez, là ça tourne, tac, je le protège. Vous ne le mettez pas jusqu'en haut, sinon vous aurez pu régler la sortie d'aiguille. Vous refaites une deuxième partie derrière, d'accord, pour éviter que votre pen, vous soyez en galère. Donc, vous évitez de laisser de la marge où vous allez toucher avec vos doigts. Vous faites une deuxième partie parfaite. Là, c'est un peu rapide pour la vidéo. Et vous remontez jusqu'en haut. Donc, il y aura deux parties à protéger. Sinon, votre pen, il aura du mal à sortir l'aiguille. Voilà. Donc là, je suis complètement protégé. Donc, mes doigts attaquent. Vous ferez parfait. Vous ferez une petite jointure. Comme ça, vous pouvez toujours tourner. Vous voyez, si vous ne faites pas deux parties, vous allez être bloqué. Et votre truc, il ne va plus bloquer. Vous ne pouvez plus sortir les aiguilles. Voilà, j'espère que j'ai été, c'est peut-être tout bête, c'est peut-être tout simple, mais franchement, ça mérite l'attention pour pouvoir le protéger. Voilà, j'espère que mon tout petit tuto qui dure 3 minutes vous a servi à quelque chose. S'il y a des questions, les commentaires, c'est juste en dessous. Le concours chaque semaine, on essaye chaque semaine, d'accord. Voilà, j'espère que tout a été clair. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous et bye.